Good morning, Alaïden, et juste aujourd'hui, les Nishmat, Avram, Chayen, Orber, Ben, Fortuné, Mazal, Edida, Batester, Chaya, Batutova, Rahamim, Ben, Rosa, si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah à contacter le Sagunet éternel, nous étudions Masechet Bechorot, Perikret, Mishnah Yud, Eilu, Chayen, An, Chosrin, Bayovel, Ha, Bechora, Ve, Ayur, El, Shatishto, Va, Meyabem, Et, Shat, Achiv, Va, Matana, Divri, Rabbi Meir, Va, Chachamim, Omrim, Matana, Kemecher, Rabbi Eliezer, Omer, Kulan, Chosrin, Bayovel, Rabbi Chonan, Ben, Broka, Omer, Ayur, El, Shatishto, Yachazir, Livne, Mishpacha, On parle dans notre Mishnah de la mitzvah du Yovel. Vous savez c'est quoi le Yovel? Tous les 50 ans, alors la Torah l'a dit, Mishnah ta Yovel azot, tashuv ish el achuzato, v'ish el mishparto tashuvu. Une mitzvah de rendre que deux, ça concerne deux personnes, deux choses, les esclaves et les terrains, les parcelles de terrain. On explique. Un homme, il peut se vendre en esclave, il peut être vendu de force en esclave aussi s'il a volé. Et quoi, il n'avait pas d'argent qu'à payer, il est vendu en esclave. Mais quoi qu'il arrive, vient le Yovel, un père, il peut vendre sa fille aussi. C'est les trois types d'esclaves qu'on trouve en fait dans le Torah. Et vient le Yovel, on doit libérer tous les hommes. Le Yovel, on restitue chaque chose à son origine. Donc on rend la liberté aux hommes, et aussi ça concerne aussi les terrains. Un terrain, ça se passe comme ça. Nos ancêtres, qui sont en train de rester Israël, ils ont reçu la terre d'Israël, ils ont partagé ça en tribus, chaque tribu en famille, et du coup, on a attribué, selon tous les calculs qu'on avait pris dans Baba Batra, dans les détails, comment ça se passait, telle famille de Narchon, ils ont reçu une parcelle de terrain, selon les enfants qu'il avait Narchon, il a reçu, alors il avait trois garçons, et bien on a pris son terrain ensuite quand ils ont hérité, on a donné des parts à chacun, d'accord? Il y a des héritages. Du coup, maintenant, au fil de l'histoire, tout au long de l'histoire, et parfois on avait besoin d'argent, on a vendu un terrain, moi je devais partir habiter dans le nord, donc j'ai revendu mon terrain d'ici, que la parcelle que j'avais reçue de mon arrière-grand-père, hein, je l'ai vendu, je suis parti acheter un autre terrain dans le nord, par exemple. Lorsqu'arrive le Yovel, eh bien il faut restituer. Toutes les ventes qu'on a faites, on retourne à la source, quoi, et on le rend à la famille initiale, chacun selon sa tribu. D'accord? Ça, c'est le principe général qu'on va parler. Maintenant, pour le moment, on a parlé donc de l'héritage et on a parlé de la vente. C'est-à-dire, si donc l'héritage, bien sûr, on le laisse chez qui ça a hérité, puisque moi j'ai reçu la terre de mon grand-père et ainsi de suite, et on vient lui au Yovel, je reste avec ma part, je suis son descendant. Par contre, si j'ai acheté un terrain, alors je devrais rendre ce terrain à la famille du vendeur ou la famille du vendeur premier. Maintenant, entre ces deux cas extrêmes, qui est la vente et l'héritage, il y a toutes sortes de situations où on peut se retrouver avec un terrain. En l'occurrence, un mari qui a hérité sa femme. Ou encore, un béchor qui a eu une double part. Aussi, c'est considéré comment? Ça semble avoir qu'il y a des discussions. Si je n'ai pas acheté, mais j'ai reçu cadeau, il m'a légué, c'est bien. Avant de mourir, mon cher ami de 90 ans, avant de décéder, il a dit qu'il n'avait pas d'enfant, il a dit que je lègue tout à mon ami. Il m'a légué, c'est bien. Quel statut j'ai? J'ai un statut d'héritier ou j'ai un statut de receveur de cadeaux, de donataire? Oui, donneur, donataire, je crois que c'est ce qui reçoit. Quel statut j'ai? Est-ce que j'ai un statut d'héritier ou pas? Sur tout ça, il y a plusieurs discussions, c'est ce qu'on va découvrir dans notre Mishnah. En fait, trois avis, le quatrième avis, ça n'a un peu aucun rapport. Et on commence à traduire. Eilu she'enan chozrin bayovel. Telles sont les parcelles de terrain qui ne reviennent pas au Yovel. À Bechora, le Bechor. C'est-à-dire, il y avait Yaakov, il avait trois enfants, Reuven, Shimon et Lévi. Il est décédé. Et donc, il a laissé un terrain qui coûte 1 million. On a dit, Reuven doit prendre une double part. Donc, on va prendre le million qui est resté, on va le séparer en 4 parts, pour 3 personnes. Et le Bechor, il va prendre 2 parts, donc ça veut dire qu'il va toucher 500 000. Vient ensuite le Yovel, ou bien pire que ça, après 4 Yovel, du coup, ensuite, après Reuven, Shimon et Lévi, ils sont décédés, mais ils restaient après leurs enfants, ils ont continué à vivre comme ça. Bien sûr, en théorie, il va falloir à chaque fois qu'il va y avoir une situation du Yovel, on va repartir jusqu'à l'ascendant initial, et on va voir qui est receveur, en théorie. Là, dans un cas pareil, le Bechor, il continue avec sa double part, selon le premier avis de la Mishnah. Pourquoi? Parce qu'il a un statut de la tetlo pishnaim. La Torah l'a dit. Bah, ya, Bechor, cher... L'aide, la sénois, le yuchal avec Eret Ben,
Aouva al pene ben asnoa, qui et becho al ben asnoa yakir la tête lo pishnaim. Il devra reconnaître l'aîné de la asnoa, la femme, qu'il a haïssée, pas la femme qu'il aimait, comme ce qu'on avait expliqué l'histoire hier. Et la Torah l'a juxtaposé, donc tu devras lui donner la double part. C'est-à-dire son héritage naturel plus une deuxième. La Torah, elle a juxtaposé le supplément de la double part à la part initiale qu'il doit recevoir en tant qu'héritier pour te dire. La deuxième part qu'il reçoit, c'est un héritage. Donc c'est un héritage, ça ne revient pas au Yovel. D'accord ? Ça, c'est le premier avis. On apprendra dans le Sinaï Mishnah qu'il y aura une discussion, en fait. Il y aura Rabbi Eliezer qui discutera. C'est le troisième avis de la Mishnah. On continue avec le deuxième cas de figure, c'est Vayoresh et Ishto, l'homme qui hérite sa femme. Lorsqu'une femme décède, le mari hérite ses biens. Les biens qui sont présents, pas les biens qui sont censés lui tomber pour plus tard, après, mais en tout cas, les biens qui sont présents lorsqu'elle décède, alors il l'hérite. Il a un statut d'héritier, et du coup, alors, il est devenu maintenant celui qui détient à présent cette parcelle de terre en tant qu'héritier et pas en tant qu'acheteur, il restera propriétaire. C'est-à-dire que vous imaginez le pêle-mêle qu'il va y avoir. Imaginez, moi je suis de la tribu de Yehuda, je me suis marié avec une fille de Réhouven, que Shamir Achem, elle est partie, j'ai hérité sa terre, et bien, maintenant, vous avez un homme de Yehuda qui a une part au sein de Réhouven. C'est un peu désagréable comme situation, mais c'est comme ça. Il a hérité sa femme. Ça, c'est parce qu'on va selon l'avis que l'homme qui hérite sa femme, c'est un statut de Minatora. D'accord ? Comme ça, on avait appris dans Bava Batra, en l'occurrence. On apprendra dans le sujet de la Mishnah qu'il y a un avis qui pense que c'est des Rabbanan. En tout cas, ce Tana de la Mishnah, il pense que, et comme ça, c'est là à la fin, on pense que l'héritage de la femme, il est Minatora. Troisième cas de figure. La Mayabem et Eshet Achiv, celui qui fait le Yiboum à sa belle-sœur. On avait déjà évoqué le sujet hier, c'est pour ça d'ailleurs que la Mishnah d'aujourd'hui, elle continue celle d'hier un peu, c'est un petit peu le point de ressemblance. C'est que le Yavam, c'est-à-dire il y avait quatre frères, Oven, Shimon, Lévi, Yehuda. Oven, il est décédé, il n'avait pas d'enfant, ou peu importe, Shimon, on va prendre Shimon comme ça, ça évite les problèmes avec le Bechor et tout ça, ça change vraiment le problème. Mais en tout cas, Shimon est décédé, n'avait pas d'enfant. Il y a maintenant la femme de Shimon, elle doit faire le hiboum. Le frère qui la prendra, il sera celui qui héritera la part de Shimon. Donc, imaginez, c'est Yehuda qui va se marier maintenant avec sa femme pour essayer d'avoir une progéniture avec lui, laisser un souvenir à son frère. Et bien désormais, Yehuda, c'est lui qui recevra la part de Shimon. Et cette double part qu'il recevra, Yehuda, eh bien, elle ne retournera pas à ses frères au Yovel. Elle ne devra pas être partagée avec les autres frères. Ok ? Et quatrième cas de figure, c'est un Vehamatana, tout simplement celui qui reçoit un cadeau. Si j'achète un terrain, alors la Torah, elle a précisé, elle nous a dit, attendez, je rapporte le pasouk, c'est pas le bon pasouk. Et je sais plus, il y a un pasouk, en tout cas, il y a un pasouk du Yovel que c'est spécialement. Ah, Bishnat Yovel, Tachouvu Ishal Achuzato. Et la Torah l'a précisé, là-bas, on parlait dans la parashat, c'est dans la parashat de Béar. Dans la parashat de Béar, là-bas, il y a la parashat qui font restituer les terres à leurs propriétaires, et là-bas, la Torah l'a précisé, au cas où on a vendu un terrain, il faudra le rendre à son acheteur, au vendeur. Au cas où on a acheté un terrain, il faudra le rendre au vendeur. Mais si on a reçu cadeau en terrain, alors là, il n'y a plus de cette obligation de le rendre. Tel est l'avis de Rabbi Meir, tandis que selon Chachamim, il pense que le cadeau a le même statut que la vente. C'est-à-dire, c'est momentané jusqu'au Yovel, mais après, il faut le restituer à la famille, au patrimoine de la famille. D'accord ? C'est-à-dire, cas de figure, mon ami, mon fameux ami de Réhouven, la tribu de Réhouven qui m'a légué son bien, ben, il m'en a fait cadeau, il a été très gentil, ça a été sympa. J'en profite jusqu'au Yovel, reviens au Yovel, je le restitue donc à sa famille. Donc, pour le moment, la discussion entre Chachamim et Rabbi Meir, elle est ponctuelle sur le cas du cadeau. Tandis que les trois cas de figure qui étaient Bechor et Yoresh et Ishto et Meyabem et Eshet Achiv, pour tous ces trois cas de figure, eh bien, ça ne revient pas au Yovel. Parce que là-bas, c'est des héritages. Il y a juste le cadeau. Le cadeau, il a un statut comme une vente. Ça, c'est l'avis donc de Chachamim. Rabbi Eliezer, Omer, Rabbi Eliezer vient nous enseigner maintenant Kulan Chosen Bayovel. Tous les quatre figures que tu as dit, ils doivent tous être restitués dans la famille au Yovel. C'est-à-dire, on va prendre le cas de figure
On reste avec les trois fils de Yaakov, Reuven, Shimon et Lévi, et Reuven, il a pris 500 000 et 250, 250. C'est très bien, ça fait, c'est sympathique, ça fait du bien. Il a reçu une belle part, mais arrive le premier Yovel, et bien ça y est, il va falloir maintenant tout réviser, tout le repartage des terres. On va tout rendre à Yaakov, le défunt, et Yaakov va rendre de nouveau à ses trois enfants. Et donc il va ordonner cette fois-ci 333, 333, 333, il se partage de la partie égale, selon Rabbi Eliezer. Parce que là, le Yovel, le Béchor doit rendre la double part, la deuxième part en fait, qu'il a reçu. Pour quelle raison? C'est justement, c'est lié à la vente. C'est-à-dire, pour Chachamim, on considérait que la vente, ça a le même statut qu'une vente, que le cadeau a le même statut qu'une vente. Matana Kemecher, c'est ce qu'on avait appris. Ça, c'est déduit d'un pasouk, parce qu'il y a une insistance lourde, qui serait une répétition dans la Torah, c'est en fait pour inclure que le cadeau aura le même statut que la vente. Bien, viens Rabbi Eliezer, viens, et me dit cette fois-ci, il m'a dit, ben, regarde dans ce cas-là, pour le Bechor, la Torah l'a dit, Vaya Bechor, lo yofal avec Rabbanama, la tête lo pishnaim, lui donner la double part. La Torah a utilisé le mot donner, elle n'a pas utilisé le mot hériter pour la deuxième part. Donc il considère aussi que l'héritage de la double part du Bechor de l'aîné, c'est aussi un statut de don, et donc faut, ça doit revenir au Yovel. Et mieux que ça, ça va de soi aussi. C'est celui qui a fait le hiboum à son frère aussi. Lui aussi, on avait appris que la Torah l'appelait Bechor. Ah, même sais-tu que Bechor, puisque le Bechor, c'est un don, donc ça revient au Yovel. Eh bien, le Yabam, aussi, il faudra rendre au Yovel. Et il pense aussi que l'héritage de la femme, c'est que Midrabanan. Donc, de ce fait, il faut aussi être restitué au Yovel. Voilà pour les trois avis. Donc, en fait, si on récapitule, il y a, d'un bout à l'autre, on a le plus permissif, celui qui va plus retourner les terres au Yovel, c'est Rabbi Eliezer, qui va te dire que dans tous les cas de figure, même le Bechor, la double part, ou bien que ce soit un cadeau ou un héritage de sa femme, tout ça, il faut tout rendre à restituer à la famille et repartager de manière équitable. On a, à l'autre extrême, c'est Rabbi Meir qui va nous dire que non, tous les cas de figure, il reste, ça reste maintenant la propriété de cette nouvelle famille, et ça ne doit plus être partagé avec ses frères. Et on a Chachamim au milieu, qui ont juste dit que par rapport à la matana a le même statut qu'une vente. Tandis que les autres choses n'ont pas le même statut qu'une matana. Maintenant, dernier avis de la Mishnah, on va le traduire, et ça n'a aucun rapport avec ce qu'on a parlé de la Mishnah en fait. C'est Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Ayoresh et Ishto, Yachazir livne mishpacha binakelahem minadamim. Rabbi Yochanan ben Broka enseigne, Ayoresh et Ishto, celui qui hérite sa femme, Yachazir levinem mishpacha avinakelahem minadamim. Il restituera la terre à sa famille, à la famille de la femme, mais yenakelahem minadamim, il devra déduire de l'argent. Voilà ce qu'à peu près ce qu'il y a écrit. Le Bar Tanoura, il explique en fait de quoi on parle. On parle en réalité, il pense qu'un homme hérite sa femme, minatora, il n'y a aucun problème. Et s'il hérite sa femme, il ne devra plus rendre la part aussi au Yovel. C'est même plus le problème du Yovel qui est en question d'ailleurs. Donc, un homme, il hérite sa femme. Seulement, quand on parle d'un cas particulier, on parle d'une femme qui avait un cimetière. C'était fréquent, hein. Ça peut choquer aujourd'hui. Aujourd'hui, le cimetière, il y a quoi? Il y a Harem et Nouchot, Arazetim, à Jérusalem. Chaque ville, elle a sa petite parcelle. À l'époque, c'était pas comme ça. À l'époque, il y avait, justement, des parcelles familiales. Alors, il y avait aussi la partie du terrain où là-bas étaient enterrés tous les aïeux. Ouais, et ils se retrouvaient comme ça, avec la parcelle qui restait. Et ils avaient tous les aïeux qui étaient enterrés là-bas. Maintenant, on parle du cas particulier où il y avait cette parcelle-là, c'était la parcelle de sa femme. Sa femme, elle est décédée. Lui, il a hérité maintenant cette parcelle. Alors maintenant, il y a une situation un petit peu désagréable. C'est qu'il a tous les aïeux, tous les ancêtres de la famille de Réhouven, lui, il était d'Yehouda. Il a tous les parents, vos parents, arrière-grands-parents, et comme ça, la famille de Réhouven qui se retrouve chez lui dans sa famille. Qu'est-ce que ça fait là? C'est un intrus, quoi. Pour l'honneur de la famille, on va lui dire, écoute, la part que tu as reçue, c'est la tienne, c'est vrai. Mais fais quelque chose de juste, c'est revends-leur à la famille. Donc, si la parcelle, elle coûtait 100 000, ouais, et on pouvait enterrer dedans 10 morts, par exemple, donc ça veut dire que chaque tombe, ça fait l'équivalent de 10 000. Alors on va lui dire, tu sais quoi, la parcelle que tu as reçue, ou maintenant, où il va enterrer en l'occurrence, où il va aussi enterrer sa femme, ouais, qui est décédée, puisqu'il a hérité, il doit aussi l'enterrer là-dedans. Et bien maintenant, on va te demander de revendre cette parcelle à la famille de Réhouven, de la femme. Mais là, il y a un petit calcul important à faire. C'est qu'il faut savoir, un homme,
Dans ses engagements de la Ktouva, l'homme a l'obligation d'enterrer sa femme. C'est lui qui doit assumer les frais de l'enterrement. Alors maintenant, là, il y a un petit problème technique. C'est qu'il ne va pas pouvoir revendre la parcelle au frère à 100 000. Parce que là, ce n'est pas un calcul juste. Étant donné que la parcelle de sa femme, c'est lui qui doit l'assumer. De ce fait, on va dire, écoute, il y a la place pour 10 morts. Une, deux, c'est la femme. Donc en l'occurrence, la parcelle spécialement de la femme, ça coûte 10 000. Tu revends le reste de la parcelle à 90 000 et toi, t'assumes la paie, et lui, il assume la perte des 10 000 supplémentaires. Parce que c'est lui qui doit assumer ses frais, d'accord ? Voilà ce qu'il nous enseigne en fait Rabbi Yochanan ben Broka. Donc en fait, ça n'a aucun rapport avec le Raza Mishnah. Le Raza Mishnah, on parlait des héritages qui servent au Yovel, qui servent au Yovel. Lui, il est venu juste nous apprendre, puisque tu as évoqué la question de l'héritage de la femme. Alors j'ai une alafa d'apprendre sur l'héritage de la femme. L'homme a l'héritage de la femme, mais s'il est au cimetière, il devra revendre, mais déduire du prix de la vente, malgré tout, la parcelle relative à sa femme. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Kol tov, v'salam.